Franchement, ça va être compliqué, hein. Allez. Ben voyons donc, qu'est-ce que vous faites dans mon frigo? Allez, venez là. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci à Montréal. Fini les vacances au Mexique, même si c'était bien, toutes bonnes choses ont une fin. Et donc là, de toute façon, à Montréal, en ce moment, il fait super beau. On se croirait déjà en été, alors qu'on est encore qu'au printemps. Mais bon, vous connaissez ici, il n'y a pas trop de transition entre le printemps et l'été. C'est du jour au lendemain. Un jour, c'est l'hiver et le lendemain, c'est l'été. Ben, c'est ce qui se passe un petit peu pour ce week-end. Là, il fait grand soleil, il fait grand beau. Ils annoncent jusqu'à 25 degrés aujourd'hui. Donc, je sais que la journée va être parfaite. De 1, ben, parce qu'il fait beau. De 2, c'est parce que j'ai prévu une activité pour la journée et j'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment trop cool. Et de 3, cerise sur le gâteau, c'est que cette activité, je vais la partager avec Nikki. Et en fait, l'activité qu'on va faire, c'est une activité que j'avais fait à l'époque quand j'étais allé à Los Angeles avec Louis. C'est du roller disco. Donc on va se rendre jusqu'à Delson aujourd'hui avec le REM. Ça va être d'ailleurs ma première fois pour moi en REM. Donc j'ai vraiment hâte, on va bien s'amuser et je vous emmène avec nous. Donc j'espère que vous allez aussi kiffer autant que moi. Je sens que je vais kiffer. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment lui refuser de monter sur le lit? Regardez sa petite face là, sa petite face écrasée. On peut rien lui refuser, hein. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. La Lolite. Ouais, t'es la plus belle. Allez, tu peux encore un peu rester avant qu'il revienne. Bon allez, je pars de chez moi et je vais aller prendre un Bixi. Je vais retrouver Nikki directement à la station Bonaventure. Parce qu'elle arrive avec le REM et attendez, je crois qu'il n'y a plus de Bixi à ma station. Oh my god, il y en a pile un. Je suis sûr qu'il va même pas vouloir se débrancher. Allez, dis-moi que ça fonctionne. Dis-moi que ça fonctionne. Bon ok, regardez, j'ai de la chance, c'était le dernier et j'ai pu le prendre. Donc c'est bon, je vais retrouver Nikki. Et d'ailleurs, vous avez écouté le nouvel album de Billie Eilish? Il est pas trop bien, sérieux. Vous savez quoi? Je vais vous mettre un petit extrait là. En même temps que je fais du vélo, je vais filmer un petit peu et je vous mets la bande son par-dessus. Toi, t'es où? En face de ça. En face de ça. Le 1000 de la gauche tiers. Attends, moi je suis aussi en face de ça. Le 1000 de la gauche tiers. Regarde, j'y suis aussi. Oui, t'es là, t'es à côté de la rue. Où? Ah! Oh, je vous jure, à chaque fois qu'on se donne rendez-vous avec Nikki en extérieur pour se retrouver dans un endroit, on galère pendant 10 minutes. Vraiment, à chaque fois, hein. Nikki! Ça va? On va aller chercher un petit café froid parce que franchement il fait quand même chaud. Mm-hmm. Et ça va nous faire du bien de rester. Moi, j'ai fait 22-25. Ouais, 25, j'ai vu jusqu'à 25 aujourd'hui. À la tienne. À la tienne. Non mais cheese. Jim. Cheese. Attends, tu fais comment ça? Cheese. Ah, je croyais que tu disais cheese. J'ai dit cheese avant. Ouais, on dit chin. Chin. Bah, grand, tout à l'heure il y avait un peu de vent et en fait ça me saoule. Je crois que j'ai envie de changer de caméra. Parce qu'à chaque fois qu'il y a du vent, bah, le son, la qualité du son, elle est vraiment dégueulasse. T'entends? Et j'ai vu une caméra qui a l'air vraiment trop bien. Donc j'aimerais bien qu'on aille à Gosselin pour aller la voir. Et où? Bah, chez Gosselin, je viens de te dire. Et, non, mais là-dedans, il est où, Gosselin? Ah, il est en bas de la rue Sainte-Catherine. Donc on va descendre à Sainte-Catherine, voir ça vite fait. Et on ira se manger une glace. Ok? J'ai trop faim. Voilà, bah, là, mange ton cookie. Et après, elle va se faire. Elle se fait un cookie team et après une glace. Cookie. T'as pris à quoi? Moi je dis Reese's, elle a dit comment? Reese's. C'est parce que je suis angolophone moi. Ouais, elle est angolophone. C'est ça. Ça? Ouais. C'est tout petit mais c'est quand même trop cool. Tu penses que ça m'irait bien? T'en penses quoi alors, Nikki? La caméra était bien. Ouais. Mais pour ton cas à toi, je trouve que tu devrais... Je trouve que tu devrais aller genre mettre une caméra waterproof. Mais j'ai une GoPro. Ta GoPro, en fait, c'est vraiment une c'est caméra. C'est quoi la performance de ta GoPro présentement? Elle va sous l'eau. One eternity later. Donc rendu là, moi je pense que t'es mieux d'investir dans une caméra qui est meilleure que la GoPro. Puis en plus, oui, elle va sous l'eau, mais celle-là tu l'utilises tous les jours par rapport à la qualité. Ok, on a compris, là, ça devient long là. C'est vrai, quand j'étais jeune, j'en avais. C'est comme ça? Des requins. Ah, mais je comprends les gens qui achètent ça, c'est une pantoufle. Ah, une petite crème glacée, Nikki. Je me suis pris une glace à la vanille, matcha et framboise. Et Nikki, elle est partie sur un truc plus classique. Juste dans un petit cornet avec une glace à la vanille. À la tienne. Cheese, hein, comme tu dis. Cheese. Cheese, Nikki.
Là, on s'est posé pour faire la miniature et finalement, Nikki s'est lancée dans une séance photo. Elle a posé sa caméra ici, enfin son cell. Il est posé, son cellulaire, il est posé sur à côté de ma caméra. Et avec sa Apple Watch, c'est ça ? Elle peut à distance déclencher le rodateur pour voir son photo. Avec ma Apple Watch, je clique ici. Ouais. Tu vois les 3 secondes ? Ouais, j'entends. Et là, ça bombarde. Ça prend une photo. Voilà. Vous savez tous les secrets des influenceurs. Enfin, des influvoleurs, parce qu'on n'est pas des vrais influenceurs. 580. Regardez-le, coûte 500 euros. T'es contente que je vive mon premier trajet en REM à Montréal avec toi ? Très contente. Brossard, il est dans 3 minutes. Vas-y, dis-le. Tu dois être du bon côté pour être sûr. Oui, oui, t'inquiète pas. Si tu vas pas du bon côté, tu vas pas aller à Brossard. Je sais, je l'ai vécu moi avant. Oui, bah oui, c'est-à-dire, il y a 30 ans, Nikki. Nikki, c'est bien une Québécoise, regardez, qui découvre la modernité dans son pays. C'est quoi déjà, c'est un lenteur ? Non, c'est une usine de farine. Pourquoi ? Mais t'es conne ou quoi ? Bon bah j'ai pris le REM et franchement bah c'était intéressant quoi, c'était juste C'est chaud qu'il y a plus de qualité dans la terre. Ah bah oui, mais pour moi c'est un truc comme ce que je peux avoir en Europe quoi. C'est pas waouh. Ouais, c'est pas waouh. Ouais. Le palais du patin, c'est parti, let's go. Attention, attention. Mais c'est là ? On n'est pas au bon endroit, là je crois que c'est une soirée. On est con. Ah oui, c'est là. Bon les gars, story time, on était arrivés tout excités, tout enjoués. On demande 2 entrées et là nous dit quoi ? Vous avez réservé en ligne ? Nous on lui dit non. Et là on dit ah mais c'est complet, vous pouvez pas rentrer si vous avez pas réservé en ligne. Ok. Là en fait, Nikki elle me dit mais attends, ça se trouve là si on paye maintenant, parce qu'on est, reparti, là on est dehors. Voilà, regardez où est-ce qu'on est. On est sur le parking, assis comme deux idiots. En plus on a pris un Uber pour venir, donc on a payé l'Uber. Et donc en gros, là, Nikki est en train de regarder si on peut réserver maintenant en ligne. Mais si on peut réserver maintenant en ligne, elle est sacrément idiote de... Fin, non, elle aurait dû nous dire devant de nous suggérer, ben là, prenez vos billets en ligne. C'est ça. Mais elle a-tu dit c'est complet ? Elle a dit est-ce qu'on a pris nos billets en ligne ? On lui a dit non, elle a dit ben c'est complet, donc vous pouvez pas venir. Parce que si c'est complet, pourquoi que les billets, je peux encore en prendre en ligne ? Ben ouais. Normalement, ça serait bloqué. Ben c'est ça, c'est illogique. Fois, moi, j'y vais en ligne, tu veux pas qu'on monte et qu'on lui montre ? Là tu peux ou pas? Attends, oui mais je peux. Je viens de me transférer 100$ dans ma carte, ok? Fait que normalement j'ai assez, c'est 30$. Ah, t'essayes. Voilà, fais une capture d'écran de ça. Quand c'est bon, on y va? Ouais, Nikki, t'es trop forte, tu es trop forte. Bon allez, c'est parti. Non, c'est que devant, c'est le stop. Ouais, grave. Fait que moi j'ai plein d'accrocher. Franchement, ça va être compliqué, hein. Moi, faut que tu me dises comment bien patiner. Ben, c'est, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la technique pour avancer bien sans tomber. Allez, vas-y. Ça va? J'ai mal aux yeux. Ça c'est typique les fontaines à eau que je voyais dans les séries américaines. Ça? Ouais. Ah, et bah, on en voit plein de toute façon au Canada. En même temps on est en Amérique du Nord en même temps. Oh my god les gars, on sort de l'activité, c'était trop cool. Et Nikki, une grosse quiche. Oh regarde c'est Guilla. Oh mon bébé! Mon bébé! Oui, mon amour! Mon amour! Tu dis bonjour à Nikki? Oui, tu gueules! On est arrivé, elle nous dit ouais, vous avez réservé en ligne. On dit non. Elle dit c'est complet. Donc, bref, il fallait réserver en ligne. Et là, Nikki a vérifié sur internet. On voit qu'il y a des places. Donc, on remonte. Et tu sais pas ce qu'elle ose nous sortir quand on est remonté. Ah, il y a dû avoir des désistements. Allô? Tu pouvais pas vérifier quand on était face à toi? J'en connais une qui va être contente. Tu te souviens de ça? Ah oui! Regarde! C'est quoi ça? On l'avait cassé! Ah là là! Lolita nous a eu un petit cadeau! J'ai trop aimé la journée.
C'est passé vite, hein. On a trop rigolé, c'était trop bien, les patins c'était trop cool. Et donc j'espère que vous avez kiffé, que vous êtes divertis à nous regarder, à être vraiment des dindes sur des patins à roulettes. Mention spéciale pour Nikki quand même, hein. Mais c'était trop bien. En tout cas, bah, si vous avez kiffé cette vidéo, petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner, vous n'êtes toujours pas abonné, donc abonnez-vous. Laissez un commentaire, partagez. Nous on fait des bisous, on vous dit bye bye. Nikki, tu connais la suite, je te laisse terminer. Et à très vite. Allez, ciao.